le soleil. Et Marine est blue, et Louis pareil, jusqu'à en oublier tout. Fermez les yeux, c'est le même bleu, dans le cœur ou sous le soleil. On croit la vie bien plus belle ailleurs. En quoi serait-elle meilleure? Le marine est bleu et Louis pareil. Après 2 ans de tour du monde à la voile, Grégory revient à Saint-Tropez le jour des fiançailles de Laure, son premier amour. Son frère, Louis, et ses amis, Laure et Sandra, fêtent son retour sur la plage où ils ont grandi ensemble, la plage Saint-Tropez. C'est là qu'en revoyant Laure, il découvre qu'il l'aime toujours, alors qu'elle est sur le point de se marier avec Alain. Dans l'émotion des retrouvailles, Claude, le père de Louis et Grégory, leur apprend son intention de vendre la plage. Louis va alors concevoir le projet fou de reprendre la plage. Il sera aidé par Sandra, qui convainc Claude de leur en confier la gérance. Au cours d'une balade en mer, Laure avoue à Grégory qu'elle l'aime encore. Ils décident de partir, de tout abandonner pour vivre ensemble. Mais Alain a tout deviné et parvient à faire croire à Grégory que Laure a changé d'avis, qu'elle ne l'aime plus et qu'il l'a perdue pour toujours. Bouleversé, Grégory reprend la mer au désespoir de Laure. Sur la plage Saint-Tropez, Sandra, la nouvelle gérante, s'apprête à organiser le mariage de Laure et d'Alain. Mais méfiez-vous. Rêver, c'est bien joli. Mais prendre ses responsabilités, c'est autre chose. Surtout à trois. Alors, on a dit un contrat de multipropriété. Oui, c'est ça. Le rapporte le tiers de la somme. C'est ça, alors, hein? Je veux que l'argent de Grégory nous permette de racheter la plage. Je crois qu'il aurait voulu lui aussi. Jessica! Fous le camp, va-t'en! Non! Jessica!
Tu l'aimes? Je sais pas. Non, je crois pas, non. T'es plus trop là, alors je vais chercher de la tendresse où j'en trouve, c'est tout. Si je travaille autant, c'est bien parce que tu l'as voulu. J'ai besoin de toi. J'en ai marre de te voir entre deux portes. Que tu sois absent de ma vie. T'as pas tellement l'air de t'ennuyer quand je suis pas là. C'est nul de me dire ça. J'aurais jamais revu tout ça. Je pense que je ne t'ai pas cru. Pas grave. J'y croyais pour nous. Regardes-tu bien maintenant? Pas tout. Je pense que ça va prendre du temps. Je sais vraiment pas comment tu as fait pour tenir tout ce temps avec ce malade. L'instinct de survie, tu. En tout cas, on t'a récupéré. Et c'est tout ce qui compte. Ça m'apprendra à mélanger les sentiments et le boulot, quoi. Je te laisse, je te rappelle. Thank you.
su d'arriver à bon port. Loin de ma solitude, de dans l'âme, croisant le feu dans l'air. Dieu créa la forme. Soit imprenable. Il n'y a que l'amour qui soit indispensable. Un verre à la terrasse, les gens passent, un ange passe, un été sur la terre, nous deux dans la. Tête de l'or quand t'es parti faire la transcup. Non, pas la tête. Non. C'était plus possible entre vous. Et c'était plus possible entre vous. Elle a même renoncé à la mère pour toi. Je veux dire, tu vivais plus. Non, c'est lui qui a renoncé à la mère. C'est vrai. Allez, on reprend. Juste là, c'était bien, c'est bien. Ça va ? Ouais, Sophia n'est pas là. Ah non, Sophia est dans la cuisine, derrière les fourneaux. Elle est consignée derrière les fourneaux avec interdiction de sortir jusqu'à une nouvelle ordre. Mais je te savais pas si mal chaud, dis donc. Ah bah, tu vois... T'as sorti ta tapisserie ? Elle est pas belle, ma robe. Il le sera bientôt, Cybole va continuer son enquête. Et il prouvera son innocence. Il est persuadé qu'il est coupable. T'as un problème avec Anclette, non? Jusqu'au bout et ensemble. Alors dans ces cas-là, il n'y a pas de miracle. Aspirine et dodo. Dodo? Là, toute seule? Qu'est-ce... Pour qui prenez-vous? Pourquoi? Hey! Ah! Je fuis! Je fuis! Je fuis!
Bonjour, vous êtes en relation avec le commissariat de police de Saint-Denis. Hugo n'a pas tué Hélène, c'est impossible. C'est impossible. J'ai dit ça. C'est ici que je veux travailler. Baptiste, le docteur Tanguy vient d'appeler. Le docteur Tanguy vient d'appeler, je peux pas sur ça. Ah, je te fatigue maintenant? Oui, tu fatigues. Ah, je te fatigue. Oh, oh, c'est la meilleure. There's only room for one ego in this damn house and it's yours. Vraiment, tu me fatigues. Mais attends, quand est-ce que tu vas arrêter de penser à toi? Quoi? Your ego takes up this whole damn house. Mais je m'en fous. Your son needs to have a little bit of attention. No, damn it, listen to me. J'y comprends rien, je comprends rien de toute façon. Oui, c'est pas ça, il meurt de rire. Je suis sa mère et je m'oppose à cette intervention. Tu te remets en train. Je n'ai rien fait en plus, hein. Je suis sa mère et je m'oppose à cette intervention. C'est pas possible, la tête qu'elle me fait, putain. Je te pardonnerai jamais, Baptiste. Allez, 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 allez